Before you have a call, Moïse Mbia Sali, Oiseau Sala, ils ont déjà bien préparé. C'est quelque chose qui était déjà planifié. Même papa n'a été en vie, dès son vivant, ils ont déjà planifié. Moutou, il y a côté ici des ordres, à côté de la salité, il y a Bethel, le mauvais conseiller, les personnes qui sont derrière Moïse Mbia pour lui dire que Asana Magabona au Sala, il y a le pasteur Sonny Kafuta et le pasteur Mouton. La question essayez de te poser, est-ce que Moïse Mbia méritait cette place-là? Parce qu'il y a plusieurs pasteurs qui ont fait plus que Moïse Mbia. Même s'il le méritait, mais Makambangonde Salamaka, tout ça qui est étonné. C'est ce qui a créé le trouble au sein de l'église. Ce n'était pas Moïse Mbia qui devait prendre la place de son père. Ils ont une communauté, ils ont un ministère. Moutouazan a ministère, mais communauté de Moutouazan qui est Bethel et Zala Bethel. Ce n'est pas une église où tout le monde a râlé l'eau, Songo la seule église n'aye, à Saliba et Fa on aye yé moko, à Ouiko Zouape moua n'aye, à Tché Place ouana. Moïse Mbia après sa kadim n'aye et pas ya pasteur moko. Nani wana. Oyo, yé moko Moïse Mbia a reconnaître le roi la père spirituel, a reconnaître le roi papa n'aye, oyo papa n'aye yé moko apôtre Mbia a confié yé avant que papa n'aye yé. Moïse Mbia après sa kadim n'aye et pas ya pasteur moko. L'intérim de son père. Parce que jusqu'à preuve du contraire, papa n'est pas un bon moi. Papa n'a pas eu un cas numéro 1 à Bethel. Il a joué un terrain. Tant que il y a Koufi, Sonic a foutu, il a passé un mouton, il a remis un coin intoxiqué. Il faut comprendre que non, le monde n'est pas un père, il église, il faut tirer à la rue, il faut tirer à la rue, il faut tirer à la pour imposer. D'ailleurs, Tolanda a Denis avait dit ça clairement. Sonic a foutu, il y a des autres. Passer un mouton, mais ça des autres. Il est allé même trop plus loin pour dire que ce sont ces deux personnes là au bas ça là pour que le corps de Christ soit séparé. Parce que tant que le bac est loco, on a un landa le pasteur Kankolongo na une chaîne à radio sur bas. Ah, en tout cas, je suis soulagé parce que. Et ça, je vais vous reconnaître que je vais vous mon côté pour vous sélectionner à Bazawana, mais je ne papa, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous cracher sur la. On sait ce que Moïse Mbia est en train de faire, c'est cracher sur la mémoire de son père. Donc ça veut dire que l'église, jusque-là, l'église est en train de plaire. L'église continue de plaire l'apôtre. Voilà, chacun qui a bâti, il a fait un effort. Il a organisé, il a fait une parcelle. Moïse Mbia va réclamer le document de la bande à 48 heures, le pasteur, il va nous faire un bouc à l'oupang, il va au somba. Par rapport à quoi? Ati, il y a un conseil à la vie, et si il y a un bango. Sonika Futa, si on a une église à Sonika Futa, Sonika Futa, est-ce qu'il y a un bandimina à 30? Non. Mais conseiller, non, conseiller. Armée de l'Éternel vit encore. Campagne ni yo ka sonika futa. La fille de Sarah Bazali. Bazawa. Chen bazara kuna wat. Ba so ok, ba chen bazara so et pas sonité. Ba on va pas parler au ça sur le gène de Sarah sur ni. Yo ça la fille de Sarah na ba maman 60 ans. Et puis sur hôtel. Sonika futa campagne ni yé ça. 2019, 20, 21 campagne ni na mulen sonika futa ça. Ba te bele ba yé ba ngoté. Et croyez que Majabo est un Mike Alambay. Non, Majabo n'est jamais un Mike Alambay. Majabo est allé caca. Le pasteur est allé voir. Il avait besoin d'un pasteur pour avoir une influence. Il a chapeauté un peu. Pour avoir une influence. Même sur le plan musical, il a fait une expérience Yaming. Et le pasteur avait visé Moïse Mbia. Le lot surtout Yambi, Yannick Mbadou. Yannick Mbadou, tu as analysé. Pécopé sa ba information par rapport au tour ya ba dossier ya pasteur Moïse Mbia na ba ancien ya cité Bethel ba ya ba bandana apôtre Emmanuel Mbia. Avec Yannick Mbadou, nous allons analyser l'actualité, ce qui est autour de la religion ou na kati ya grande communauté cité Bethel. Yannick Mbadou, mbote na yo. Mbote na onde vous pense. Mbote na nous ba na union so. Et puis, je vais continuer à s'abonner à la chaîne Damas TV, chaîne qui permet à tous les Congolais d'avoir une très bonne information et puis une analyse correcte. Ok.
balandi yo ba comprendre yo. Parlons un peu de l'autre bandalikolo parce que dossier où ils ont ça là-bas tout, nous autres lili, hein, ils ont ça là-bas tout moi sommes. Église congolaise, et ça qu'on s'enfonçait de plus en plus dans les mâles, de plus en plus dans les noirs. On ne comprend pas. Dossier Oyo ya Moïse Mbiye, hein, la réserve de l'Éternel, pasteur Moïse Mbiye, n'a pas ancien, y a cité Bethel. Mais quand on explique un peu, il y a un dossier qui est un peu plus de temps, il y a un peu comme il est. Bon, merci Mingi pour la question. Na mutuna na yo. Mais le Kaliboso, il y a un peu de temps. Moïse Mbiye, il y a un les gens pensent que ils ont et pas na yemoko to ils ont initiative na yemoko. Moi je dirais que ils ont initiative na yemoko te ils avaient déjà préparé parce que l'apôtre Mbiye paix à son âme lelo comme on a eu autant à ma penza mingité na o nyo se zo le kanakati ya communauté cité Bethel. Mais il faut que nous Moïse Mbiye sali oazo sala ezaki déjà bien préparé. C'est quelque chose qui était déjà planifié. Même papa n'a pas été en vie, dès son vivant, ezaki déjà planifié. Ce qui est au il y a une émission, papa, apôtre Mbiye, à Salaka, où il y a pour reconnaître même Paco, il avait travaillé, il avait des partenaires, où il y a des que Bethel et Zala Bethel. Donc, dans la vidéo, moko et comment écoute qu'on circule tant où il y a Koufaki, comment qu'on circule na internet où apôtre Mbiye expliquer na peuple de Dieu que et ça na mutu moko te où il y a Koutelema aya koloba que non ceux qui Bethel communauté Bethel les années les awana azo qui coup de pouce ya mutu toi les ala qui na aide ya batu moko songolo lui-même de son vivant à lubaka yango. Donc ça veut dire que son fils Moïse Mbiye azo salaraka oyo papa ni alubi mais image Jonathan Babalansa qui ango est-ce que Isaki vraiment vrai apôtre Mbiye aloba qui ango est-ce qu'il visait batu oyo ya travailler na bonga parce que nous tous nous le savons très bien que église Bethel Isaki communauté où Isaki na lisanga ya plusieurs pasteurs au basangana qui basala qui Bethel le loué comme Bethel mais chose grave tango apôtre Mbiye koufi. Tu vois comment on a image, le quoi, ni sur notre solo, mais comment qu'on circule sur internet. Tu vois comment on a surtout moi. Le quoi, l'image ni les bandes qu'on circule sur internet. Image, on circule sur internet, ils ont une image dans notre solo, où on disait apôtre Mbiye disait que non, ils ont leur propre foi, on a y est. Ok. Et puis ce qui m'avait vraiment beaucoup choqué, vous savez hein, tant que matin y a apôtre Mbiye, il y a plusieurs personnes, basé au talaka aspect à matin. Mais aspect y a témoignage, bah vraiment bah tirer attention à côté. Vous allez comprendre que ceux qui vont lundi bah témoignage, voilà surtout bah témoignage à bah serviteur de Dieu, vous allez comprendre que non, c'est à cause y a bah témoignage, voilà, des personnes bah excès des ailes pas y a Moïse Mbiye, apôtre Moïse Mbiye, pasteur Moïse Mbiye, né à ce moment bah excès des ailes, voilà. Bah témoignage le rôle d'un dernier. Montre oh y a côté ici désordre, à côté vos salités na kati y a Bethel. Le mauvais conseiller, les personnes qui sont derrière Moïse Mbiye pour lui dire que Asana Magabona Osala, il y a le pasteur Sonny Kafuta et le pasteur Mutombo. Il y a 8e rue. Amen, ministère. Voilà, ce sont ces deux pasteurs Wanande, basa derrière Moïse Mbiye, Bahonde Bazo Tindaye, Asana Babiloko Moïse Mbiye Osala. Mais apôtre Mbiye, nga loko na salué aka na sepela ka nango quand même apôtre Mbiye avant kufa luka ki kotia kimia au sein de la communauté abenga ki bana na nyonso ameka ki ko restructurer encore la grande communauté cité Bethel en quelques jours après apôtre ayeba ki ko kufa. Est-ce que loko nanga na comprendre ngou malamu te parce que après acte wana apôtre ayeba ki ko kufa. Et aujourd'hui, tu comme qu'on a des autres côtés aujourd'hui, na kati ya grande communauté cité Bethel. Vraiment, ça nous fait mal à la tête. Ça nous fait mal à la tête. Est-ce que c'était des choses préparées? Oui, bien sûr que oui, c'était des choses préparées. Pourquoi je l'ai dit? Apôtre déjà, Liwan et Zagi déjà proche parce qu'a résisté Mingi na maladie. Ça nous le savons. D'ailleurs, quand Oumeli, Ezaka grâce.
il savait déjà, il sentait déjà sa mort proche. Il y a un monde qui a sangi sa communauté. Mais le problème, c'est que quand sa communauté, c'est un problème. Mais quand on appelle la communauté, c'est que tant qu'il y a envie. Tant qu'il y a envie. Est-ce que. La question que la question où essayez de te poser, est-ce que Moïse Mbille méritait cette place là? Parce qu'il y a plusieurs pasteurs qui ont fait plus que Moïse Mbille. Même s'il méritait, mais Makambangonde Salamaka tout ça qui est étonné. C'est ce qui est créé, c'est ce qui est créé le trouble au sein de l'église Cité Bethel. Parce que dans l'église Cité Bethel déjà n'a règlement d'ordre intérieur na bango, c'était pas Moïse Mbille qui devait prendre la place de son père. Ezaki communauté, ezaki ministère. Moutouaza n'a ministère, mais communauté de Moutouaza qui est Bethel et Zala Bethel. Ce n'est pas une église où il y a tout le monde à l'élo, Songo la seule église n'a yé, à sali ba effort n'a yé moko, à oui, aux oape moua n'a yé, à tchè place ou ana. Mais non, et Zala qui est fort, il y a communauté. Le problème en est maintenant, c'est quoi? Moïse Mbille a fait sa kadim n'a yé et pas ya pasteur moko. Nani wana? Oyo ye moko Moïse Mbille a reconnaître ka ye loko la père spirituel. Ako reconnaître ka ye loko a papa na ye. Oyo papa na ye ye moko apôtre Mbille a confié ye abaki papa na yo ye. Moïse Mbille a pe sa kadim na ye et pa ya pasteur Mutombo. Mais comme son père. Mais ba des autres o nyo toujours vivre o za cause ya Léopold Mutombo na Sonika Futa. Oui, naza ko confirmer yango naza ko affirmer yango ke ba des autres nyo so c'est l'apôtre Moïse Mbille, l'apôtre Mutombo et Sonny Kafuta, le général. Pourquoi je l'ai dit? Bon, là, dans le témoignage, je suis un journaliste. Au besoin de sa témoignage à Sonny Kafuta, Bolanda, image ouane à Sonny Kafuta, Rockman, le général. Azana ba propos moko à l'obaka. Donc, moi, ça m'a étonné. Moutou, oh, y a koufi. Témoignage, tu dis, mouta koufi, c'est un témoignage à nan. So, mouta koufi. Non, mais attends, parce que le témoignage à Moutou a koufi, non? Mais il y a des gens qui témoignage à Moïse Mbille. Comment ça? Wana, général Sonny Kafuta. Oui, il y a des gens qui témoignage à Moïse Mbille. Na place après sa témoignage à l'apôtre. Parce que si on a dit témoignage à Moïse Mbille, il y a l'apôtre, il y a déjà qui ont mis ça. Bah, on signe. Il y a Cité Bethel, non? Vous avez pris une place, vous n'avez pas une place ici. Sonny Kafuta so tali na ba popo lo ba ki na témoignage na ye alo ba ki boy tangu bango bazo bazana ekodim bazo travailler na apôtre bazo travailler na apôtre Mbille Moïse tanga saki mwana mukie azala ka munene bazai ko memaye mwana wana linga ki makambo ya nzambe mingi asaki pembeni ya papa na edele bazage. Donc papa n'a pas préparé déjà dans l'âge à Moukie. Donc ça veut dire que est-ce que ça va témoignage Oyo, Bissou et Sengela qui t'oyoka, dans le moment où il y a matin, il y a un pote à Koufaki? Non. Tout ça qui a besoin de Koyoka beaucoup plus. Il va dire qu'on prépare déjà l'église, on prépare la communauté. Voilà, ça veut dire qu'à travers le témoignage, il voulait faire comprendre Nabatoukeno après la mort de. Parce que. Tu vas comprendre que Moïse Mbille jouait que l'intérim de son père. Parce que jusqu'à preuve du contraire, papa n'est pas un bon Moïse. Papa n'a pas un numéro 1 numéro 1 il y a Bethel. Il a joué l'intérim. Tant que tu as un Sonny Kafuta, tu as un pasteur Mutombo, tu as un intoxiqué. Tu as fait comprendre que non, le monde n'est pas un père, il n'est pas une église. Il faut que tu aies un peu de rigueur, il faut une imposition. Nous avons dit que ça témoignage, ça qui témoignage, nous avons dit que imposer ma boue. Ce que déjà il faut comprendre que nous sommes dans les faux. Il y a Moïse Mbille, il y a Sonny Kafuta. D'ailleurs, Tolanda a Denis avait dit ça clairement. Sonny Kafuta, il y a des autres. Pasteur Mouto Mazam, il y a des autres. Il est allé même trop plus loin pour dire que ce sont ces deux personnes-là au Bango Sala pour que. Le corps de Christ ça l'a séparé, bah, le groupe de réveil ça l'a séparé parce que bangonde mutuba kabola l'église. Donc ça veut dire que ce sont eux qui sont derrière Moïse Mbille. Ce qu'on a dit bien même la banzema Moïse Mbille, vous allez remarquer que même temps papa n'a zaki en vie banzema on est mingi. Moi j'aime beaucoup les chansons de Moïse Mbille. Dans mon téléphone j'en ai plein, mais bon, vous remarquez que Moïse Mbille la banzema on a yabo azaka na bambwa qui est là. Moïse Mbille a bêta la sola vina ye. Moïse Mbille a bêta la sola vina ye. Moïse Mbille a bêta la sola vina ye. Zalaka a bambou akela, abou akela anan. Abou akela bato nyo so yo bazalaka tout autour ya papa na ye. Parce que, soko tali nanze mwone mwoko aloba, ba misoutou ba matati na bangomba. Bien sûr, c'est biblique.
babele la ye ayoka bangote ngana tombulika ka maboko a pamba akitimbango ayoki losamo donc ça veut dire que bino batu zangina communauté bo salisani bo se pomona po bo so église mais ngaku donc parti a nzembo wana ataka nde bansien ya oui ataka bansien directement ataka na ni le pasteur comment il s'appelle encore oya zaka na ngiringi kota tripe kankolongo kankolongo Atakande ye, atakaka mingi ye, parce que tant que l'obake eloko wana ngana landa le pasteur Kankolongo na une chaîne ya radio zorba ah en tout cas je suis soulagé parce que les gens abattu mususu bazo reconnaître que bafumisa effort mon côté pour baser tika bazawa wana me bakoma wana. OK Yannick Mbadu basal ba effort mon côté bakombi sika bazawa wana. Mais aujourd'hui ce qui nous étonne pasteur Moïse Mbi azo senga babuka lopango il y a des églises, il y a des extensions. Mais on ne comprend pas. Non, mais papa, est-ce que l'église est là? Babou Galopan, on est là. T'as là, t'as craché sur la. On sait ce que Moïse est en train de faire. C'est cracher sur la mémoire de son père. Donc ça veut dire que l'église, jusque-là, l'église est en train de plaire. L'église continue de plaire l'apôtre. Donc jusque-là, il y a encore une grande blessure dans Bandimi Yanin. Mais comment voulez-vous, son fils n'arrive pas à comprendre cela que. Il faut que l'église puisse prendre un grand temps pour que je ne me capte pas. Je crois que c'est au troisième mois, au quatrième mois, que l'apôtre Moïse, l'apôtre Mbi n'est plus. Mais comment voulez-vous y avoir engagé ma camarade? Même papa n'a yé, de son vivant, tu as engagé. Mais c'est ça. Si on a bazar au loba. Est-ce que Banda Kouana, et ça, l'apôtre Mbi est en train de se faire. Banda l'église Wana. Est-ce que ça, l'apôtre Mbi est en train de est-ce que Moïse Mbi est en train de réclamer même antenne ya chaîne wana Siloé et ça a été acheté na bambonga bandimi mbongo ya église. Donc il y a des choses qui appartiennent à l'église. Je peux comprendre ce qu'a sengi na Yesu qui rad ce qui chaîne na bango wana. Mais à quoi qu'en est-il à bas niveau? Vous savez hein, au moins ba église nous se porta ba combo ya Bethel. Ce sont des personnes bazaka na communauté ba travailler ensemble pour Bethel et ça à niveau ya Likolo et ça lelo Bethel. Mais ce que tant que ba yeko kabwana en bonne et uniforme maintenant apôtre bakeyi bakiro sala église na bango bakiro sala église mais ils ont bénéficié seulement de la personnalité juridique yango nomona bakenda bacha bakombo ya Bethel parce que bazoko travailler na personnalité juridique ya Bethel chacun akende ko bâtir na effort na ye voilà chacun akende ko bâtir na effort na ye yena bandimi na ye baso organiser baso ba parcelle na bango bazoko ko sala ba biloko na bango soko Moïse Mbi est pas réclamé ba document ya bandako wana pesa batu 48 ba pasteur wana bangi no pesa ye ba buku lupangu ya ba ono so basomba par rapport à quoi mais ngala lo bakaka comment voulez-vous vous êtes dans des églises où ba passer bazan ko s'enrichir mais bandimi na bango ba on s'appauvrir c'est un problème donc Moïse Mbi est problème ne zanini ngai conseil na ko pesa ye ati ka koyoka conseil ba vie wana et si ba sila na bango Sonika futa, so okay na église Sonika futa. Sonika futa, est-ce que bandimi na komi ata 30? Ah non. Mais conseil non, conseil ni. Armée de l'Éternel vit encore. Campagne ni yo ka Sonika futa. La fille de Sarah Bazali. Bazawa. Campagne ni yo so yo ka ya Sonika futa. Ba fille de Sarah si ba komi ba parade. Oh. Nous sommes là sous la fille de Sarah kuna. Une génération sans pas une autre. Bazara ba sukuna test ko so ba jeune bazara kuna wa. Ba so okay, ba jeune bazara so e pas sonité. Ba komi ba komi parade, o sa sous le jeune de Sarah sou ni. Yo ça la fille de Sarah na ma maman 60 ans. Et puis sur hôtel Sonika futa campagne ni c'est ça. 2019 20 21 campagne ni yamunene Sonika futa sala. Sonika futa c'est à Vida, ba vieux prophète. Ba si la ngala. Ba comme ko Lucas koyo ko s'appuyer na banu ya mikie, o bazana ba succès na bango ko ba Moïse Mbi. Ba comme ko s'appuyer sima na bango. Pour que Sonika futa yé wana zana. Oui, même l'église catholique a contribué pour que l'église ya Sonia et tombe. C'est vrai ça. Mais je vous l'ai dit. Même l'église catholique, ma maman légionnaire et l'église catholique ont contribué. Bah c'est ya tsaka a tsaka nini a senga ka ba offre. Bah senga ka ba aide ba tonga ton église. Même ba maman légionnaire va contribuer. Et cette église on est tongama. Hein? Église on est tongama. Même le gouvernement tant ba panzaka église na yeba pesaka ye mbongo abongisa yango kendo tala maduso na babeta mabanga ti lelo ezala ka vide abongisa yango te donc ça veut dire que Sony
c'est un pasteur, je reconnais en lui un serviteur de Dieu, qui a aussi fait son époque. Mais il est fini. Il est fini parce que son époque est révolue. Maintenant, pour que Atikalaka Kassoni, Bango Batikala na casquette yaba, yo ba père de réveil, Batikala ba casquette ouana. Est-ce que ceux qui. Parce que vous avez la casquette, on a fait un peu intoxiquant, on a petit à petit, on a si. Mais nakata nakata bon, tout ce qui est dossier, on a quatre pères, il y a réveil, il y a eu Kassoni, on dira ça la raté. Tout ce qui est dossier, on a. Eh, il y a eu Kassoni. Eh, il y a eu Kassoni. Yo, tu sais, yo, l'anda de l'île cité. Au monde de Kakenza Longoli, t'as tchè dodo kamba. Oh, papa, ami Koti ça. Bon, attaque Kakenza Longoli. Attaque Kakenza Longoli. D'ailleurs, non, bah, bangona noir, bah, non, au pasteur, bandimana ralanté. Il y a beaucoup de côté ça. Tant que matin ambi, est-ce que na yé Kakenza qui avait beaucoup plus d'ampleur entre Kakenza na Sony qui a foutu la matin à Potre Mbi. C'était Sony. Ok, mais il y a un moment où il faut réfléchir. Est-ce que entretenir un conflit ou un est-ce que il y a un moment encore mais ma conflit na compétition monnaie le rôle à Madjabu parce que on a entendu que Pasteur Moïse Mbiye na Mike Kalambay aujourd'hui et aussi bah sous ces courriers les cater à cause ya Madjabu. Je ne sais pas si tu as des informations par rapport à ça parce que ça ne marche pas. En tout cas, ça dérange et ça fait rire que tu as quatre y a l'ingomba ya peuple dédié. Bah comment qu'on s'est comporté le roi bah musicien profane des balobara ya mokili. Comment voulez-vous un pasteur, deux pasteurs bazawana officiellement pe mokili mobimbe yebi ke baso la raté c'est la pire honte. Vous savez le vrai problème est anine. Au moins ni bah Mike Kalambay abani musique il est l'autre abani musique kala puis Mike Kalambay a ça là quand on n'est pas ya Thomas Lokofi. Bango nous sommes dans la cité Bethel. Bah nous sommes dans la cité Bethel et puis bah ça là qui bah mimo quoi inséparable parce que relation bah on va les quoi inspirer pe bah jeune et belé. Nous sommes dans la place nous sommes dans bah ça là qui ils apportaient moi sourire mon robot mais c'est regrettable le lot à cause ya moi ma cambo mikié et vous et salique. Pasteur Mike Kalambay na pasteur Moïse Mbi la réserve de l'Éternel ba panza problème est un problème nini. Problème est aliko normalement en réalité Majabu Mike Kalambay ba to bele ba yebike Mike Kalambay nde c'est lui qui est l'initiative ya l'initiateur ya Majabu mais non l'initiateur ya Majabu c'est un pasteur. C'est un pasteur qui a planifier les projets, qui a créé son projet. Pasteur Roy Bondo. Pasteur Roy Bondo, c'est lui qui est le PDG de Majabu. Et croyez que Majabu est un Mike Kalambay. Non, Majabu n'est jamais un Mike Kalambay. Majabu est allé kaka, le pasteur est allé voir. Il avait besoin d'un pasteur pour avoir une influence. Pour avoir une influence. Pour avoir une influence. Même sur le plan musical, il y a une expérience de Ming. Donc ça veut dire que l'ambassadeur, il y a une proposition de Moïse Mbi. Il a dit au propriétaire du projet que non, nous devons aussi avoir des ambassadeurs. Moussa Nabango Rosala, c'est que Mike Kalambay est en train de faire et les autres, Yannick Tumba, Rossini, tout ça. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Rossini. Moutazane sans expérience. Moutabani carrière ka lobby kakawa a se retrouvé ambassadrice na kati ya compétition mon le rôle Majab. Wana za critique donc ça veut dire qu'il y a eu un détournement de projet. Mike Kalambay a détourné le projet. Comment ça? Tant qu'on va sololi, Moïse Mbiye a proposé à Toms, il a proposé Mike Kalambay. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous serez là comme des ambassadeurs pour gérer les projets. Mais je pars en Europe, je pars en voyage. Et quand je vais rentrer, je ferai en sorte que nous puissions nous mettre sur une même table pour pouvoir organiser les projets et parler du projet. Donc c'était ça. Discuter en fait. Ensemble. Voilà, c'était ça. Planifier comment faire. Comment est-ce que les choses vont se passer. Et puis il y a une chose grave. Quand il y a un tout à niveau, la nengenini. Moïse Mbiye Azali chantre mon nene na katsambura oyo. Toi, Mike Kalambay, tu interdis au candidat, parce qu'il n'a jamais interprété Nzembo ya Moïse Mbiye tout au long de la compétition. Dans le niveau qui m'était à Mabé, Teddy a été victime. Il y a l'Owana Oyo, Mike Kalambay a imposé qui?
Teddy a interprété parce qu'il savait bien interpréter les chansons de Moïse Mbille. Mm. C'est parce qu'il a, il avait interprété la chanson, l'une des chansons de Moïse Mbille, et s'il y a des problèmes, Teddy a comment qui cible Yamai Kalambadi. Tant qu'on a interprété Nzemwana, il a très bien, lobby Nangoboué, il est éliminé. Pourquoi? Parce que Mike Kalambadi ne voulait pas que Moïse Mbille non plus ses chansons et se retrouver dans Majabu. Il ne voulait plus de cela. Mais en parlant un peu de Majabu, na moi m'kose compétition de l'équipe de Moniango et l'équipe qui tourne. Jamais. Est-ce que jamais comment? Est-ce que compétition c'est la marabou? Bino Bokangi bana ba tout ce qui pendant 5 mois ba 6 mois. Mais pour pas la concentrer. Mais non. Et comment il sait? Il fallait pas ça dans le cas Serit. Et comment Mike Kalambadi a commis moi si ya Rosny bana na ba soki ba candidat ba comme ba na bango. Oh. Je vous dis que on est à une compétition. Comment ça? Mais est-ce que compétition est comme les compétition? Comment voulez-vous bango tant besoin autour le badin il faut ils attend bas attend quoi encadrer bango. Bah tu vas ça bas sept step ne va quoi encadrer bana. Ah donc je comprends. Mais, on parler na tina Cédric Mobali à Deborah Luka. Mais ambassadeur. Azam moko ya ba ambassadeur. Comment voulez-vous batuloko la bango. Bino ba parents besoin de confier bana bino pas ya batuloko à bango. Pour pas encadrer Bango, résistant à l'Europe. Et puis, moi je n'arrive pas à comprendre. Compétition, il y a une compétition sur le plan musical, toi, il y a une compétition sur le plan de la mort. Parce que tout au long, il y a compétition. Vous voyez, Majabu a fait combien de jeunes? Majabu a perdu deux jeunes. Deux jeunes. La mort est naturelle. La mort est naturelle. Deux. La mort est naturelle. Deux. Banabatu, deux. C'est pas normal. Parce que la compétition, on a tout au long de la compétition, on a des sili. Et là, on a salami kunate. Biso to tiré nini na compétition wana. Et là, on a longé salami kunate. Ba sex step et salami kuna. Bana batu ba kufika akuna. Et puis, c'est sans impact. Sans impact. Teddy a zagi na compétition wana. Ba longoli Teddy. Teddy aujourd'hui, Teddy émerge bien avec Moïse Mbille. Et puis, oya bimi wana, il ne fera jamais du succès le roi à Teddy. Teddy. Aïebanité, toye biété, abimika mbala moko boyazu ne pe compétition ngoté. Première chanson seulement et il est connu de tous. OK, vous êtes en train de nous suivre ici na Kata Damas Télé. Nos salutations à Foyi qui pela Yannick Mbado tozana na plateau azo pela wa. Nos salutations à Bédric Lukabwe, mon vieux Eric Bika. Sans oublier mon vieux Yves Imbay. Ba salutations à Bino Bipai Bozali. Toujours comme na souki lobano na soukezani. Lilobananga ya suka, ezali ke Moïse Mbille a se contenté na biloko o yesi a zwa. Il a une grande église qui est connue. Azana bandimi oyo baza ebele. Il peut s'en sortir a longwa na clip oyo. Ba kotisiye ba vie wana ba mpaka wana ba sila kala wana. Oyo baza suna sixete ba sala ba époque na bango, mais il commence maintenant à être derrière ces jeunes là. Oh, bazana nous na moto na bango, ba intoxika ka bango. Moïse Mbille, le conseil que je te dois comme un jeune comme toi, donc ça veut dire que laissez le pasteur qui ont travaillé avec ton père, laissez-leur d'évoluer comme ils ont toujours évolué. Ba bien oh bango bazana bango, des églises qu'ils ont, ils ont acheté ces églises là na ba propre moyen na bango, na ba contribution ya ba ndimi na bango qui n'a rien à voir, na Bethel n'a pas dit Bethel. Donc ça veut dire que aux autres il y a pas problème Bethel Moïse Mbille. Autour ça n'a pas problème bala. Sex step. Aux autres la pété. Ma vidéo n'a pas passé par là. Moi n'a pas tatanga ramakila pendant ce qui sourit combien des années. Ma kofika kayo. Donc aux autres déjà n'a pas dossier et belé. Ko bak sa susu ba dossier Nicolas ba dossier ko tomo bo sa na mamba sex step na yo yo mo ngo créer susu elo mo susu manga ba gege pe suka yo. Donc ça veut dire que Moïse Mbille, les conseils que je te dois, vanana nous calme, laisse l'âme de l'apôtre et se reposer na kimia. OK, laisse l'âme de l'apôtre et se reposer na kimia. Maloba suka Yannick Mbadu, nous vous demandons de partout vous êtes de vous abonner massivement ici na Kata Damas Télé. Nos salutations à Bédric Lukabwe, Glody Mozo, sans oublier Zekpel, Mon Zekpel. Tous et l'horreur. OK, abonnez-vous massivement. Ciao.